Si vous voulez savoir ce que j'ai commandé sur le site Beauty Lala, d'ailleurs en passage, le site est vraiment trop cute, restez avec moi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec, vous allez voir le nez tout rouge. Je suis malade, mais je voulais vous faire cette vidéo à tout prix, donc on y va tout de suite. Pour celles que ça intéresserait, mes boucles d'oreilles, je vous en parle très prochainement dans une vidéo haul du tout. Une vidéo lookbook qui sera la semaine prochaine, je pense. Elles viennent de la créatrice qui est juste derrière chez moi, Créa Bijoux. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et je les adore. Elles sont juste magnifiques. Vous les verrez plus en détail dans le haul. Donc, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai craqué sur un nouveau site que j'ai découvert grâce à Élise. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Ça fait quelques années que je la suis, Élise, maintenant. Elle fait des vidéos hyper sympas, c'est une nana toute fun et tout, donc j'aime beaucoup. Donc, Élise a découvert un site en cherchant des produits essence sur Internet, puisqu'elle ne les trouve pas chez elle. Et donc, du coup, elle a trouvé un nouveau site que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Beauty Lala, et j'ai passé une petite commande parce que dans les soldes, il y avait des trucs, franchement, qui valaient extrêmement le coup. J'ai reçu mon colis il y a une demi-heure. Donc c'était par DHL, donc j'ai reçu, c'était là-dedans, et ensuite vous aviez un carton, donc ça très bien, je crois que ça fait une semaine jour pour jour que j'ai commandé, donc l'expédition on va dire que c'est assez rapide quand même, hein, y a rien à dire, ça vient d'Espagne, donc c'est un site à première vue qui est espagnol, je vous avouerai que j'avais pas fait attention à la base, tout était emballé dans un papier de soie comme ça dans le carton. Et les palettes, bon je les ai déjà enlevées pour vous montrer rapidement dans le vlog, les palettes étaient dans des papiers bulles, donc rien à dire là-dessus. Il y avait un truc trop choupi, regardez, il y avait une boîte de mini tic-tac dans la petite truc, donc ça je vais les mettre de côté, j'aime bien les tic-tac, donc voilà. Donc je ne sais pas les prix de tête, je vous les mettrai là quelque part dans la vidéo, pour vous donner un petit peu une idée de ce que j'ai acheté. Donc la première chose que j'ai pris c'est ceci, c'est de chez Essence, c'est French Manicure Click and Go Nail. Donc en fait ce sont des faux ongles, tout simplement des faux ongles, qui je pense sont autocollants d'après ce que j'ai lu. Attendez, je vais regarder rapidement. Ce sont bien des faux ongles précollé. Vous voyez, il y a la colle, un peu comme les Kiss que j'adore tant. Donc, bah écoutez, je voulais les tester, donc j'en ai pris un. Par contre, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attendez. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il n'y en a que 12. Donc, je pense qu'au niveau taille, il ne faut pas se planter. Si c'est pas la bonne taille pour mes doigts, c'est mort. Donc, on verra ça. Ensuite, je me suis pris deux petites palettes comme ceci. J'ai pris essentiellement des produits make-up Revolution ou I Love Makeup. Donc celle-ci, elle me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est la Bronze and Glow de I Love Makeup. Regardez-moi, c'est packaging. Regardez-moi ça. Franchement, que dire? Que dire, que dire, que dire? Donc elle, c'est une mini tablette de chocolate comme ceci. Elle est vraiment trop belle. Et elle se présente comme ça à l'intérieur. Donc vous avez d'un côté un highlighter qui est énorme et vous avez un bronzer qui est ici. Alors on va swatcher ça ensemble. Ah oui, le bronzer il est cool. L'highlight il a l'air magnifique. Ouais, le bronzer il est sympa parce que il est pas, il est là. Il est juste ce qu'il faut, il est un peu satiné. Il est sympa comme tout, par contre l'highlight il déboîte quoi. L'highlight il déboîte. Ouais, le bronzer j'aime beaucoup, ça peut réchauffer le teint sans en faire trop, et l'highlight il déboîte quoi, il est superbe l'highlight. Et regardez-moi sur le packaging, vous avez le chocolat qui coule et tout, enfin c'est trop chouette quoi. Vous avez un beau miroir et tout, hop, ma chaise m'agace, vous avez un beau miroir et tout, franchement trop contente, il est trop beau et tout, ça je suis fan. J'ai pris un deuxième comme ça qui est celui-ci, et celui-ci c'est l'Highlight and Illuminator Duo. Ouais, celui-ci c'était quoi? Bronze and Glow, et là c'est le Light and Glow. Alors, j'arrive à l'ouvrir. Hop! Donc, cette fois-ci, ça se présente. Je ne vous ai pas montré le petit carton. Ça se présente comme ceci. Regardez-moi ça, comment c'est chou! Non, mais sérieusement quoi! Sérieusement, vous avez vu les palettes? C'est trop chou! Donc, il est comme ça, chocolat blanc avec du chocolat rose par-dessus. C'est trop chou. Et à l'intérieur, waouh. Donc, vous avez cette fois-ci un highlight et un blush qui a l'air superbe. Alors,
Oula. Ouh là là. Alors, on va les mettre. Hop. Ouais, oh, l'highlight, il est superbe. Et le blush, ça peut être un highlight aussi quand même, hein. Donc cette fois-ci, le blush est ici et l'highlight est ici. Vous voyez, le bronzer, il est tellement même couleur que ma peau quasiment qu'on ne le voit pas. Donc ça, j'adore. Donc voilà, là, si j'y sais un blush, mais c'est plus ces deux highlights en fait. Ils sont beaux, hein. Et un doré et un rosé, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont superbes. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, vous voyez, je suis très, 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 très contente de ce que j'ai reçu. Et j'ai pas payé très, très cher parce que je crois que j'en ai pour moins de 30 euros pour la totalité de ma commande. Donc, très sympa. Hop, on va remettre dans la boîte. Hop. Ensuite, on va continuer dans les mignonneries. J'ai enfin craqué pour la palette Golden Bar. Ça fait un moment qu'elle est sortie. Ça fait un moment que beaucoup en parlent et que... Enfin, que j'en ai entendu parler et que tout le monde... Enfin, j'en ai trop envie. Moi, j'en ai déjà plusieurs de palettes de cette collection-là avec le chocolat dessus. Je crois que j'en ai trois. Et fallait que je craque pour cette Golden Bar qui est magnifique. Le packaging ressemble beaucoup à celui de la Bronze and Glow. Hein, on dira que ça ressemble énormément. Donc, elle est comme ceci et à l'intérieur... Waouh, elle est magnifique. Elle est superbe. Attendez, je vais enlever le petit... C'est un embout mousse, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. C'est pile les couleurs que j'utilise, quoi. Elle est vraiment magnifique. Ce que j'aime dans cette palette, c'est que vous avez le petit truc de protection là, et vous avez le nom des fards. Donc ça, quand on fait des tutos ou des choses comme ça, quand les nanas font des tutos, parce que moi j'en fais pas forcément, hein, c'est très pratique. Alors là, vous voyez, il y a une couleur qui m'interpelle énormément, enfin 2, 3, 4, 5, oui bon, en fait, il m'interpelle beaucoup. Par exemple, celle-ci là, oh oui, je me rapproche. Il y a le fil électrique qui me gêne. Ah oui, non mais hey. Regardez-moi ça, cette merveille. Elle est superbe. Là, il y a une espèce de kaki bronze. Oh là 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 là. Regardez. Il y a un kaki mat qui est magnifique. Oh, il est magnifique. Et ici. Mais les couleurs sont magnifiques, quoi. Là, il y a un petit, une espèce de petit vieux rose. Il est beau! Regardez. Oh, il est superbe. Regardez-moi cette luminosité. C'est superbe, franchement, il est. On va essayer celui-là aussi. Oh, il est beau celui-là. C'est un espèce de bronze bordeaux. Oh, il est magnifique. C'est hyper pigmenté. Hein. Franchement, on va essayer celui-ci là. Une espèce de petit doré comme ça. Hop, on ne voit pas beaucoup celui-ci par contre. Oui, mais il reste rapproche de la couleur de ma peau, c'est pour ça. Et sinon, 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 il y a un blanc là. Je vais essayer de me faire le blanc. Oui, bon, d'accord, ok. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle a l'air superbe cette palette, franchement. En fait, vous avez deux fards qui sont plus grands. Vous avez le blanc là que je viens de vous swatcher et celui-ci qui sont plus grands parce que vous pouvez vous en servir en highlight en général. Mais franchement, cette palette, elle est magnifique. Super belle, donc je ne regrette pas du tout. Et pour finir avec cette mini commande, je me suis commandé cette palette-ci qui est la Flawless Matte de Makeup Revolution. Donc elle est sous papier. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Alors celle-ci, il me semble que de mémoire, j'ai dû la payer dans les 5 euros. Donc hein, 5 euros pour tout ça de fard. Sérieusement. Voilà. Et c'est des couleurs, oui, c'est encore des couleurs nude, mais franchement, moi, les couleurs nude, c'est ceux que je porte le plus. Alors c'est ultra protégé parce qu'il y avait un plastique autour de ça. Et là, quand j'ouvre la palette, il y a encore un plastique. Alors. Donc celle-ci, le packaging est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus soft. Hein. Voilà. C'est un packaging noir, tout ce qu'il y a de plus basique avec inscription en doré, un peu rose gold, mais plus doré que rose gold quand même. Donc je vous ai dit, c'est la Flawless Matte 2. Et vous avez 32 fards à l'intérieur. Allez, on ouvre. Ouais, bah, elle est magnifique, quoi.
Donc vous avez 32 phares comme ceci à l'intérieur. Bon, ils sont tout petits, hein, vous voyez, regardez, si je mets mon doigt dessus, vous voyez, ça cache quasiment le phare. Mais quand même, il y a de quoi faire, hein, y a de quoi faire. Ouais. On va, pareil, il y a le petit machin avec le nom des phares. Hop, vous voyez le nom des phares. Je vais vous faire quelques petits swatchs. Alors, ce que j'aime bien dans cette palette, vous voyez, c'est typiquement, je vais essayer de la mettre plus basse pour que ça ne vous éblouisse pas. Typiquement la palette qu'on peut emmener en vacances. Pourquoi? Parce que vous avez des nudes et vous avez également des couleurs plus foncées. Donc vous pouvez vous faire des maquillages de journée, des maquillages de soirée, vous avez des couleurs chaudes, des couleurs froides. Celle-ci, franchement, elle est top. Vous n'avez pas de... C'est vraiment que des mattes, celle-ci, vous n'avez pas d'irisé. Faut que je regarde d'ailleurs s'il n'y en a pas une autre avec des teintes irisées. Parce que il me semble que la Flawless, celle-ci c'est la matte 2, mais il y a peut-être irisé. Je sais pas. Donc voilà, il y a quand même pas mal de couleurs assez sympathiques. Allez, on va en swatcher quelques-unes. Je vais essayer ce rouge-là, ce rouge bordeaux. Ouais, ben voilà quoi. C'est superbe, hein. En plus, c'est des couleurs que j'adore porter en ce moment, ces couleurs-là. Je sais pas pourquoi, mais j'adore porter ce style de couleur en ce moment. Un espèce de petit écureuil. Couleur plus claire, parce que souvent les nudes, c'est pas évident. Ouais, bah il est joli aussi celui-ci. Hein. Bon, ça c'est pareil, ça va se rappeler aux couleurs de ma peau, mais il est très joli aussi, il est là. On va essayer celui-ci, qui m'a l'air très joli aussi. Ah ouais, il est beau. Regardez. Il est magnifique celui-là. Oh ouais, il est superbe. Alors, comme ça, vous avez l'impression que je suis sûre que vous allez me dire c'est pas très pigmenté, mais si, si, hein, c'est parce que je le mets mal. Regardez, il est magnifique. Et on va essayer de prendre une couleur dans les grises là. Par exemple, le bleu là, il m'attendait. Je vais essayer le hop dans l'autre sens la palette. On a dit ce bleu là qui m'intrigue. Waouh, pigmentation de folie. Ouais, c'est un espèce de bleu canard qui est magnifique. On va essayer quoi? Un foncé aussi, un gris par exemple. Ouais, bah la pigmentation est là, quoi. Très joli aussi, il est là. Et on va repartir dans les nudes. On va prendre celui-ci, par exemple. Il est ici. Pareil, les nudes, c'est des couleurs peau, donc c'est pas forcément évident de vous les faire ressortir. Et on va tester, on va tester, on va tester un jaune, comme ça, là. Enfin, c'est pas du jaune, hein, mais ça ressemble un peu à du jaunâtre. Il est ici. Ouais, bah écoutez, moi, je suis fan, hein. Je suis totalement fan de cette palette, je l'aime beaucoup. Couleur chaude, couleur froide, couleur foncée, couleur claire. Elle a rien, elle a tout bon. Moi, je dis que cette palette, elle a tout bon. Voilà, donc je vous mets bien sûr en barre d'infos le lien du site, etc., etc. Je sais qu'il y a un programme fidélité quand vous vous abonnez qui vous donne des points. Je pense pas qu'il y ait un lien de parrainage. De toute façon, s'il y a un lien de parrainage, je le mettrai. Mais je sais qu'il y a, si vous vous inscrivez, il y a des points de fidélité qui vous donnent des bons d'achat par la suite, je crois. Donc faites très attention à... quand vous inscrivez, de mettre ça en place. Mais je crois que ça se met en place. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi, je suis très contente de cette découverte. J'espère que cette découverte vous aura plu et vous aura donné envie de craquer, mais pas trop. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très, très bientôt. Salut, salut !